Hello, hello tout le monde, c'est Laurine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction. Et je pense que vous savez, puisque vous avez déjà vu la miniature, mais même vous connaissez quel jour on est et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. On va réagir au dernier comeback de T.by.T. avec le MV Chasing That Feeling. Alors, vous savez que ces derniers mois, cette dernière année 2023, j'ai énormément craqué pour T.by.T. Je les aimais déjà beaucoup avant, mais là, ces derniers temps, avec les derniers albums qu'on a eus, c'est vraiment un gros coup de cœur et le groupe est en train de prendre une place super importante, et bien déjà dans ma collection et dans mon cœur. Donc c'est tout naturellement qu'aujourd'hui je suis très impatiente de découvrir le nouvel album et déjà la nouvelle chanson-titre. J'en attends beaucoup du groupe, je suis plutôt, on va dire, plus exigeante quand c'est un groupe que j'aime énormément puisque j'ai beaucoup plus d'attentes, on va dire. Mais bon, je ne pense pas qu'ils vont me décevoir aujourd'hui. Si cette vidéo vous plaît d'ores et déjà, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne à se faire connaître. Aussi, si ce n'est toujours pas fait, eh bien, je vous invite à vous abonner et à activer la clochette pour être prévenu des prochaines sorties vidéo. Et nous, on se laisse et on passe tout de suite à la réaction. Et on est parti pour cette vidéo réaction à Chasing That Feeling de T.by.T. C'est parti. Déjà, on est aux États-Unis. Ça se voyait dans les trailers, de toute façon. On dirait l'endroit où il y a Jungkook pour Seven. Ok. Ils viennent de débarquer là. Oh là là. Vous sentez la claque visuelle là. J'aime énormément la musique. Yeonjun est magnifique. Wow, mon bébé est magnifique aussi. C'est le plus beau. Par contre, la musique, il faut qu'on en parle, elle est incroyable. Wow, ils ont chacun des éléments, on dirait. Ok. Ou est-ce que c'est justement le sentiment dont tu parles? Ce plan était magnifique. Oh, et oh. C'est dangereux là, monsieur. Sa voix, elle est juste incroyable. Waouh. Ok. Oh, l'outfit de Yeonjun est incroyable. C'est ce que je dis, c'est dangereux. Waouh. Mais la musique. La musique et leur voix et tout est juste. Ok. Alors lui il roule sur les toits. Ok. C'est dangereux ça. J'aime énormément l'instrumental à l'arrière qui fait tellement années 80 mais qui va tellement bien avec ce qu'on voit dans le MV parce qu'on dirait un peu des aliens qui viennent de débarquer. Du coup ça fait très Stranger Things. Waouh. Oh c'est beau, c'est vraiment très beau. Waouh. Ok. On dirait Inception. Non. Voilà, high note de Taeyong. Oh.
Le vocal de Yeonjun. Wow. Oh, ils sont tellement incroyables. Ouais, il faudrait peut-être s'enlever de la route, ce serait une bonne idée. Et ils repartent normal. Oh, Soobin, il fait des câlins. Wow. Ok, bah, bravo à ce monsieur qui a fait vraiment un travail incroyable au niveau de la direction artistique de ce MV. Bon. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire, d'exprimer mes sentiments vis-à-vis de ce que je viens et ce qu'on vient tous de vivre, de voir, d'entendre? Je ne pense pas, mais je vais le faire quand même. Déjà, prenons point par point. Musicalement, je l'ai dit, je crois, tout le long de la musique, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'instrumental, les voix, comme d'habitude, elles sont incroyables. C'est vraiment un super bon équilibre. C'est quelque chose qui me parle énormément. Enfin, moi, j'ai encore entendu la musique, elle m'a fait un petit truc là. Et quand elle me fait un petit truc là, c'est que c'est un énorme coup de cœur. Et qu'elle est vraiment très bien. Donc là, pour le coup, j'aime beaucoup déjà cette chanson titre. J'avais déjà vu forcément les previews de l'album. J'ai écouté, je pense qu'on part sur un énorme coup de cœur au niveau de l'album, mais je vous le dirai en temps et en heure. Bref, revenons à nos moutons et parlons maintenant du MV de manière générale. Visuellement, il est très très beau. Ils sont toujours très beaux, les MV de T-by-T, mais là, je trouve qu'on a pris un stade au-dessus, là. On a toute une histoire. On dirait limite que c'est un film, un mini-film, tellement au niveau des effets et tout, c'est incroyable. Rien que déjà, comme ils arrivent au début et tout, avec cette lumière, ça fait très alien déjà. Je trouve ça très très bien exécuté et très beau à l'écran. Donc vraiment, visuellement, le MV, il est incroyable. Les outfits, etc., ils sont magiques. Moi, je les trouve magnifiques. Ils correspondent exactement à l'univers de T-by-T. Donc ça, vraiment, on est raccord avec l'univers et avec le type d'outfit qu'ils portent habituellement. Forcément, les garçons sont juste trop mignons et incroyables. J'aime beaucoup les tatouages qu'ils ont partout et tout. Enfin, ça ajoute un côté dark. J'aime beaucoup aussi leur personnalité maintenant vis-à-vis de ces pouvoirs qu'ils semblent avoir du coup tout au long du MV, mais qu'ils ont déjà avant. J'ai beaucoup apprécié et j'invite vraiment toutes les personnes qui ont les théories et tout en tête à me les exposer en commentaire parce que vous savez que j'adore l'univers de T-by-T. D'ailleurs, je vais commencer le webtoon et je ferai sans doute une review du premier chapitre ou de la première saison sur YouTube, puisque j'ai vraiment très envie de découvrir l'univers de T-by-T dans sa globalité et on m'a conseillé de lire le webtoon, donc comme j'ai envie de me remettre à la lecture, c'est ce que je vais faire. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo réaction. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce MV et de cette chanson titre en commentaire. N'hésitez pas aussi à me partager peut-être votre top 3 de l'album qui vient de sortir, donc de T-by-T. Je l'utiliserai pour une vidéo recap, je pense. C'est vrai que ces derniers temps, j'en ai pas beaucoup sorti parce qu'on n'avait pas le temps du tout. Je vais essayer de le faire pour ce mois-ci. Donc j'en parlerai début du mois prochain. Donc voilà, j'aime toujours avoir votre top 3 pour pouvoir un peu le comparer au mien. C'est toujours très intéressant d'avoir votre avis et d'avoir un peu votre ressenti sur tout ça. Comme dit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le like, c'est super important, ça aide énormément, ça soutient la chaîne. Partagez autour de vous, ça soutient aussi également énormément la chaîne. Et comme dit, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous recommande aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok. Je poste des petites vidéos de temps en temps sur TikTok, donc de mes unboxings, etc., que vous voyez déjà ici. Mais si vous aimez consommer plus rapide, je vous recommande TikTok. Aussi, je vous recommande énormément de me suivre sur mon compte Instagram, puisque c'est là que je suis le plus active et que je discute le plus avec vous, que j'échange, que ce soit en story, en post, etc. Et en ce moment, il y a un concours. Si vous êtes une stay et que vous êtes Bang Chan Stan, je vous recommande énormément d'aller voir Instagram, puisqu'il y a un concours pour gagner sa Digipack 5 Star
et bien de Ben Chan. Donc elle est complète et aussi si vous avez vu le cover de Connected que j'ai sorti à l'occasion de son anniversaire et que vous avez mis un like, n'hésitez pas à prendre un screen si vous voulez participer au concours et à me l'envoyer, ça vous fera une entrée supplémentaire pour tenter de gagner cet album. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez me regarder. Ciao tout le monde! À bientôt! Been on my way since day one.